bien, salut tout le monde, c'est Dragoire Gaming, j'espère que vous allez bien, de ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans une new vidéo sur Clash Royale bien sûr, sur le défi du tirage double élixir. Donc là j'ai fait 3 victoires comme vous voyez, donc là on va essayer d'augmenter jusqu'à, on va essayer 12, si c'est trop long on arrêtera, d'accord, sinon on essayera, d'accord. Donc le défi du tirage double élixir, donc c'est simple en fait, c'est juste... comme le défi du tirage, sauf que l'élixir est double, donc beaucoup d'élixir. Donc voilà, et bien sûr ceux qui veulent suivre dans le clan, donc là on a 48 membres, donc venez, hein, il reste encore de place. Donc voilà, et donc on va commencer les amis, donc c'est parti. Et donc je suis désolé s'il n'y a pas trop de voix dans cette vidéo, j'ai une grippe affreuse, on va dire ça, une grippe, enfin rhumée, avec un mal de gorge. Donc si je parle pas beaucoup, c'est normal. Donc on va commencer, donc c'est parti. Alors, on va choisir sorcier ou ce que t'es. Franchement, sorcier, c'est mieux. Boule de feu, parce que ce serait très très utile. Ah. Donc là je vais prendre la tour à bombe parce que ce sera beaucoup mieux. Et je prends le feu à gobelin. Donc là on peut commencer. Donc là je sais pas en quelle langue c'est écrit, mais bon. Ah, il m'a demandé sorcier de glace et gargouille. S'il m'a demandé sorcier de glace, c'est parce qu'il a un truc mieux que ça. Donc on va lui dire bonne chance. Et on va commencer à ouvrir cette game. Donc on va mettre des petites gargouilles. Ah ouais. J'aime pas être intrépide. Oh! Oh non, je veux pas être comme ça. Mon ami, je pense que c'est raté. Avec ce deck, je le sens mal avec ce deck, parce que là j'ai que de la défense un peu. Donc là j'ai réussi à un peu attaquer, mais bon là j'ai presque rien, donc on va mettre des petits squelettes. Un petit feu à gobelin, bon normal. On va essayer de gagner cette game les amis. Oula, on gratte un peu avec la feu à gobelin, on gratte. J'aime pas être enlevé. Je n'ai même pas compris pourquoi il a mis la tornade. En tout cas, on gratte un peu, hein. Oui. Pas grave, on peut le laisser prendre la tour. Il va pas prendre la tour. On a raison, on va se pas défendre. Voilà, on va un coup de feu direct. On va mettre un petit tour à bombe. Je comprends pas, hein. Oulala, là là, je sens qu'on va gagner cette game. Parce que là, son deck est un peu nul. Moi aussi, j'ai rien à mettre, les amis. Donc... Oula, oula, oula. Petit barbeau, c'est parfait. Et bah, non, il ne l'avait pas. On va faire un best attack là. Sans rien mettre ça, mon pote. Hein. Moi, je te mets ça. Et bim, je prends un tour. Mettre double sorcier. Ouais, j'avais pas prévu celle-là. Oh, je veux pas vous voir. Et voilà, j'ai gagné. On va applaudir bien pour le maître. Merci. Une couronne, c'est bien. Je détesterais trop malade les amis. Voilà, on a gagné une contre un couronne. Ah, il nous reste deux contre un couronne, donc ça c'est bien, ça commence à être... Pourquoi c'est ralenti comme ça là? Ah génial.
Donc le prochain là, c'est normalement c'est 8000 pièces d'or. Donc ça c'est génial. Là, je regarde juste si Dreaded Giant est en ligne. Donc voilà les amis, on a gagné une victoire. On va continuer hein. Oulala. Alors là les amis, c'est un peu grave parce que là il y a Zappy et boule de feu. Je sais pas quoi te reprendre. On va prendre la boule de feu, on se fait pas chier hein. Zappy, ouais. Ouh, down. On va prendre électro sorcier. On sait jamais. Ah, on va prendre sorcier de glace. Provenez de combat. Bonne chance. Oulala, il m'a donné une cimetière, c'est parfait. Il m'a donné poison, cimetière, gargouille, et le gobelin sarbacane. Ok, les amis. Oh là là, il commence avec un zappy. Nous, on va commencer avec ça. J'aime pas trop qu'on me mette à la main. Les amis, on va mettre un petit sort de poison. Oh merde! Oh merde! Oh non, non. J'aime pas qu'on m'influence comme ça. Vous savez quoi les amis, en fait on est plutôt pas mal hein. C'est pas grave hein, regarde. Voilà. Et on va commencer à attaquer nous aussi parce que là il commence à mettre PLS lui. Putain, j'aurais dû m'en douter. Putain, regardez le truc. Oh non, oh là là. Ah non, par contre, là, je t'attaque pas comme ça, je te nique. Bon, on va dire il a une bonne défense. Donc. Oui, on a touché. Je suis obligé hein, parce que là ça commence à être chiant. Chier! Oh non! Oh mais pourquoi j'ai mis ça? Oh là là! Je me suis trompé hein. Ah non, ça va en fait. On a gagné! Vous lui avez bien joué. J'aime bien lui faire de la planté, bah, dommage qu'il n'est pas bien abondamment en colère. Donc on a encore gagné, donc on a gagné les 8000 d'or, ça c'est bien. Quand tu veux. Bon. Et oui, 5e victoire. Oulala, on va récupérer ça. Ouh là là, 17128 d'or, ça c'est génial. C'est quoi ça? C'est chiant les gars. Alors là les gars, ça c'est génial. Et pourtant je suis content parce que je fais une vidéo alors que je suis malade donc. Franchement c'est le topo. Donc on fait un dernier combat et je pense qu'on va arrêter là parce que là ça prend 10 minutes de vidéo. Donc dernier combat. Ouh. Bah et les gobelins donc. Oh! Oh là là! Oh là 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 là! Bon, on va prendre la Valkyrie. On se met en danger hein. Béni de combat. Électro-sorcier.
Si on perd des amis, on refait le combat. Ok, parce que... Alors, voyons voir ce qu'on a. Ah, il m'a donné une pompe, ce fils de pute. Putain. Pompe. À quoi sert une pompe? J'en sais rien. Oula, il commence bien, le mec. Ça va, on a bien défendu. On va mettre une pompe sur le côté. Il m'a donné une princesse, donc ça c'est bien. Une petite défense, juste au cas où. Avant, le bélier de combat, je l'utilisais. Ouais, il défend pas. Boum. Oula, on lui met tarif. C'est foutu. On prend la tour. Pourtant, il défend pas, c'est bizarre. On va mettre une deuxième princesse. On va mettre un électro-sorcier. On va lui mettre un autre bélier de combat. C'est dommage, on n'ait pas eu sort de Claude, comme ça on l'aurait défoncé. Et boum! Et bien joué. En tout cas, il m'a laissé gagner, merci. Bah, ce combat était rapide. Mais en tout cas, on ouvre le coffre à couronne. Donc, en espérant qu'il y ait une légendaire là-dedans. Sixième victoire. Donc là, on est sûr d'avoir une épique, hein. Donc on va ouvrir le coffre de à couronne. Donc c'est parti. Alors, voyons. 459 d'or. Ouais. 3 gems. On peut commencer. 2 fournaises. Ouais, ça commence très mal. 16 barres élite. Non, non, il est épique. Ah, même pas. 36 mortiers, super. Super coffre de clan. Donc là, les amis, on a fait le dernier combat. Et voilà, les amis. Donc en fait, on s'est bien mis dans la peau, hein. On a fait des victoires parfaites, complètes. Des victoires qui sont parfaites et complètes. Donc je vais terminer, bien sûr, enfin, vous voyez. Donc moi, je vais vous laisser là, les amis, parce que là, on a 12 minutes de vidéo, on va arrêter ici. Donc ce défi du tirage est vraiment génial, en fait. C'est bien, c'est génial. Ouais, donc franchement... Là, je viens de faire une défaite, mais c'était avant. Là, j'ai fait 6 victoires, donc c'est génial. Donc les amis... On va s'arrêter ici, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un tas de pouces. On va faire un objectif au visite de 20 pouces bleus pour cette vidéo, parce que de genre défi du tirage, j'ai pas perdu une seule fois, c'est bien, ça mérite des pouces bleus, hein, n'est-ce pas ? Donc voilà, désolé, et bah voilà, abonnez-vous, hein, simplement pour suivre mes vidéos, donc bah voilà, et je vous dis salut tout le monde, allez, ciao tout le monde, et peace blanc que pour un temple de skin. J'aurais donc parlé de moi sur de vieux samples de spleen. Je peux te raconter ta vie, donne-moi le temps que je screen. God damn. Mon gars va, je fais ce qui me plaît. T'es qu'une putain, c'était fait ce qui te plaît. Chevalier de noir vêtu, je suis dans le thème Chris Bell. J'ai des problèmes d'attitude, je suis dans le training day. Bientôt j'ai ma carte SOP. J'ai que de l'eau dans ma cristalline. Ralenti comme au début, j'entends le 8 Spanish. Tabac à valer inversé comme en kit main libre. Fils de